à tous et compte à la 21. Donc j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Donc là je vais faire un petit commentary. Bon, ça c'est une vidéo que j'avais laissée dans mes fichiers partagés, parce que à ce moment-là mon HDP, enfin j'avais un petit souci avec mon HDP vert. Il y a un fil qui fonctionnait pas, donc je pouvais plus enregistrer mes vidéos. Donc là cette partie-là, vu qu'elle est, j'ai mis dans mes fichiers partagés, vu que j'avais fait une bonne partie, j'ai fait 27-0. C'est pour ça que je voulais la remettre sur YouTube. Donc là il y avait trois ennemis, je les ai éliminés assez facilement. Donc à chaque fois, enfin en arme secondaire, j'essaye toujours de récupérer une arme qu'il y a par terre. Bon là j'avais le sniper. Donc là l'objectif, enfin l'objectif c'est pas un objectif, hein. De toute façon c'est de gagner. Hein. Bon là de toute façon j'essaie d'aller au respawn ennemi. Mais bien sûr ils ont repéré l'autre côté, donc j'ai mis quand même une clé mort, au cas où qui réapparaîtrait l'autre côté. Donc là-bas j'en ai vu un. Mon sniper, je suis pas exceptionnellement fort. Donc regardez, je mets un peu de temps quand même à l'avoir. Donc là, j'ai quand même eu. Donc là, sinon, mes killstrikes, en fait, j'ai mis les SR-71, le Yui, puis les chiens. Bon, c'est souvent. Parce que, enfin, des fois, je mets ça, mais je joue plutôt avec l'avion espion, souvent, frappe de napalm, mais l'hélico A7. Donc là, maintenant, j'essaie de rusher. J'essaie de reprendre les ennemis. Là, j'ai vraiment eu la chance. Cet ennemi-là ne m'a pas vu. Enfin, c'est un. Il jouait sur un écran scindé, donc certainement il n'avait pas l'habitude de jouer sur cette map-là. Donc là, je vais essayer de monter en haut. Comme je vois qu'on a un avion espion, et je vois le positionnement des ennemis. Là, j'ai vu qu'il y en avait au fond. Je suis vas-y, je vais essayer au sniper. Vous allez voir, je vais un petit peu galérer. En plus, je le vois. Là, je tire une fois. Putain, j'étais vraiment sûr de l'avoir. Bon, après, je l'ai eu. Ça, assez facilement parce que vu qu'il bougeait plus. Donc là, bah, des fois, je voulais faire des petites vidéos sur zombies, mais vu que moi, j'ai que 15 minutes de vidéo, je me suis dit c'est pas très intéressant de faire une petite vidéo de 15 minutes, à part faire quelques montages, mais bon, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête sur les montages. Donc tiens, si vous voulez une petite vidéo zombie, je vais bien essayer de la faire, et puis au pire, je ferai des montages. Si vous avez un défi à me lancer, si c'est de jouer sans mastodonte ou jouer avec les armes principales dans la première salle. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je suis vraiment désolé de vous avoir fait patienter quelques instants. Enfin, quelques instants. J'ai dû faire enfin, 2 mois sans vidéo. J'ai eu un petit souci personnel et après, il y avait le Tour de France et puis j'étais en vacances. Je suis pas du tout préoccupé de mes vidéos et je jouais plus trop sur Call of. Donc là, je commençais à y rejouer. Donc là, j'ai mis mon SR-71. Donc c'est vraiment facile avec l'SR-71 vu qu'on a le positionnement exact des ennemis. Donc là j'ai obtenu mon Yui. Voilà pour les chiens, enfin je sais qu'avec mon S71 ils sont tous de l'autre côté. Le respawn adverse est en face. Donc maintenant vu que j'ai plus que le. C'est le PSG1 ça. Ouais, j'ai vu que le PSG1 que j'ai récupéré dès le début. Donc là je vais rester ici. Parce que je me doute qu'ils vont passer par là. Bon je vais un petit peu galérer pour avoir le prochain kill. Vu que je Enfin, je vais pas oser aller directement vers l'ennemi, vu qu'avec le sniper, je suis vraiment pas trop bon. Donc là, j'essaie de faire le tour. Je me suis dit au cas où qu'il y aura un mec qui apparaîtrait derrière moi, mais non, toujours pas. Donc là, vous voyez que j'ai mon Yui. Je vais pas le mettre directement, parce que ça serait con que je mette le Yui, que je me fasse éliminer, alors que j'étais à un kill des chiens. Donc là, je viens de les obtenir. J'ai lancé. Ah, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je récupère quand même son arme. Non, maintenant, je vais peut-être lancer. Je vais lancer mon Yui, vu que les chiens font le boulot. Donc là, pendant cette partie-là, vu que c'est une partie que j'ai, enfin que j'ai mis dans mes fichiers partagés, cette partie-là, j'avais une connexion interrompue, donc j'ai dû la. Quand c'est comme ça, j'étais obligé de la mettre ça en 2 fichiers partagés. Donc ce qui fait que là vous allez retrouver avec un petit bug, vous allez voir. Ah, juste là. Donc c'est un petit peu galère. Donc là de toute façon, je pense que la. Enfin non, la partie va bientôt se terminer. Donc là quand c'est comme ça, de toute façon vous avez pas pu voir vu que c'était en fichier partagé. Quand c'est comme ça, j'augmente tout le. Enfin j'augmente souvent la sensibilité. Là voilà. La sensibilité je la mets à 10 avec le Yui.
Parce que moi je joue avec une sensibilité de 3 ou 4, il me semble, je me souviens plus de trop. Parce que avec la sensibilité de 4 ou 3, si vous voyez là, j'étais à la sensibilité 10, je maîtrise pas du tout. Donc la sensibilité 3 avec le Yui, vraiment, on a l'impression d'aller de droite à gauche à 2 à l'heure. C'est pour ça que je mets sensibilité 10. Donc la partie vient de se terminer, donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Allez, merci bien, à la prochaine.